très ravi, très content, très joyeux toujours de savoir que vous êtes très nombreux dans vos petits écrans. Nos amis internautes, bienvenue. Moi, c'est José Boloa. Bienvenue dans votre émission Espace Dialogue. Et nous sommes encore très heureux, sachant que vous êtes branchés. Et nous profitons de cette occasion de vous remercier pour vos SMS, vos appels venant de partout dans le monde. Nous voyons comment vous êtes vraiment connectés dans cette site internet www.congodialogue.com que dirige la grande dame Francine Ngembe de la Belgique. Merci pour la confiance que vous nous donnez. Merci aussi à vous, compatriotes, que vous êtes partout dans le monde, votre attention dans cette émission. Alors aujourd'hui, comme vous savez, le visage à question de la personne que nous allons recevoir n'est pas inconnu. Et je crois qu'à chaque fois qu'il passe dans notre émission, il y a toujours un plus qui s'ajoute dans notre bagage intellectuel. C'est la personne du président du Parti national congolais ici en Afrique du Sud, M. Djemadari Kilele, que nous recevons maintenant. Bon après-midi et bonjour à tous les téléspectateurs que vous recevez. Merci encore pour votre temps, M. Kilele. Merci. Bonjour à vous. Bonjour à tous les compatriotes de par le monde. Je crois que juste une petite récapitulation. Quand nous suivons nos émissions précédentes, on s'est dit, mais monsieur Kilele, yango ye mawezala qui était penza boloa soko yambeli bisoye mawezala qui était mutu ezana nonase ba propos ala qui nango très dur. Je vous dis, cette émission a été vraiment suivie. On a connu plus de viewers que na be émission tout ça la kanayo. Juste un mot na ba téléspectateur bi mais azam tema mabe papa wana au kata souci ande ko kufite et puis azata na souci a famille te o ba kufeli papa. Nazala motema mabete, nazala kulobande ba vérité kaka. C'est comme on dit en français, la vérité blesse. Mais aussi dans la démocratie, et ce n'est pas la démocratie qui nous l'apprend, nous devons seulement apprendre à être tolérant et à accepter l'opinion de l'autre. Et ça la mabé, et ça la mabete, il faut accepter ça. La Bible n'a pas seulement des mots doux envers les êtres humains, envers les croyants. La Bible a beaucoup de passages qui font trop mal aux gens. Mais ndengeni ni bondi maka Bible oyo quelque part et menace kabiso et finga kabiso bongonga soki na lobi eloko moko ya mukeka ka. Et comme il y a des gens qui ont été en train de se faire, et puis les gens ont droit à l'information. C'est tout ce que je disais. Donc, je m'apitoie à la mort de tout le monde. Puisque nous tous, oui, bien que tous soyons tellement, nous avons la mort dans nous-mêmes. Donc, je sympathise avec la famille du défunt. C'est tout. Je suis ya koyina to kozanga mawazala kite boko seranga makambote pardon. Merci beaucoup monsieur Kilele. Donc je crois que ba téléspectateurs bo check ba commentaire rebelé soko zanga ki ko zanga ki ko tala émission bo ken kana congodialogue.com na YouTube bo s'abonner na Congo Dialogue bo komona émission intégralité ya interview toté ko salana le professeur le docteur Kilele Oyazali président parti national niveau Afrique du Sud awanga José Boloa. Alors so ba commentaire monsieur Ezali bo zanga te daboyo ki esa question ka ya tolérance monsieur Kilele n'est-ce pas? C'est ça oui, il faut pas tolérer. S'il vous plaît, il faut vous tolérer comme ça. N'agosa na liberté, ya kufungo la motema, naebi sabino pe muke o yezako za caché et que tout le monde le fasse. Parce que ceux qui to continuer ko bomba, ndenge moboto mobutu alzako lobla bisole avant meeting na souvent mobutu disait bomba bomba mabe. Il disait souvent ça. Alors ceux qui continuer ko bomba ko bomba ko bomba jusqu'où et ko sala mabe un jour ko exploser au kufi na okaka ndenge wana. Alors nous avons le devoir de construire la mémoire historique, yes, et la mémoire collective. Moutou, il faut avoir des informations. Parce que sans information, on ne saura pas comment agir, on ne saura pas comment reconstruire, refonder notre pays. Donc, le secret, c'est qu'il faut que l'on sur la place publique. Comme ça, d'abord, les alliés armes, il y a qu'à dissuader les malfaiteurs qui sont au gouvernement, les malfaiteurs qui sont à l'extérieur. Oh, il y a gardé le
na situation yo ya bobola ya soni ya voilà ya soni penza ya humiliation. Donc c'est parce que nous cachons la vérité et que tozo banga koloba makambo. Alors on ga ende kona bino na banga ka makambo anate. Je suis là pour la vérité et puis ce que yo moko bino moko bazala ba vérité o bolingi koloba te boya pembe na mukongo na ngai boye bisangai ngai na koloba yango. Voilà. Voilà, c'est juste une interpellation que M. Kilele Asengi, na yo Komela Kibiso, na congodialogue.com, na YouTube, na YouTube channel, na congodialogue. Bisikani to interviewa ki M. Kilele concernant liwa ya disparition, to liwa ya le défunt et docteur Etienne Tshisekedi. Alors le lot, to zonga vraiment na oyo Obama kite, alingbo ki ka juste ba réaction parce que Boba ki, ce qui to yambi lusu su M. Kilele, to e bisaye to tout na ye, est-ce que moute ma bomo ya bo diabo ya Ubuntu, ya ba africains ala qui était est-ce que le baki on a kanda za ki na nyongo ya to était sincère za na nyongo na ye dans le roi la foot yango te ninga kufi yango sandi boki ba réponse na ye et ça juste tolérance ninga singi pe na yo téléspectateur ami internet place non sozali ba numéro na ba petit écran soza na ba vérité mususu o lem su yo ko lo bangote vraiment média za plateforme oyo okoy ko benga mesekile pe na ba numéro téléphone na ye pona ko pesa ye pe makanisi mususu pona ko lo ba lelo mesekile le Plus d'une fois, nous l'avons dit qu'il y a eu des grandes personnalités. Oh, Bakoufa, historiquement, dans le monde, Bakoufa, une semaine, deux semaines après, Bakunda Bango, et c'était terminé. Prenons la plus belle princesse, selon les Occidentaux, Diana. Akoufat, mon Mumba. A kufa pe na ba circonstance moko mabe. Yeah. Mon homme Mbazala qui touchait, mais elle a été enterrée, c'était fini. Des gens tels que les Staline et les Lénine, ba kufa après quelques jours, ba kuni bangote. Il y a eu de grandes personnalités sportives, batounet, Mohamed Ali, il y a pas longtemps, tu es Koufawa. Yes, yes. Il y a musique, Bob Marley, Michael Jackson. Koufi, on les enterre. C'est dans le but de créer un mythe. Mais un mythe inutile. Parce que il ne va pas ressusciter en étant dans les frigos. Il ne va rien faire en étant mort, ce qu'il n'a pas fait quand il était vivant. Il ne va rien faire. Au pays aussi, il n'y a pas un gouvernement et il n'y en a jamais eu après le gouvernement de Mobutu et le gouvernement de Laurent Désiré Kabila. Nous n'avons jamais eu un gouvernement. Parce que qui dit gouvernement dit une institution organisée et responsable. Vous voyez ça? Bon, mais comme je l'ai dit au début, la famille est libre d'enterrer son mort. Là où elle veut, que ce soit en Belgique, que ce soit au Congo, que ce soit n'importe où, elle est libre de l'enterrer n'importe où, il n'y a pas de problème pour ça. Mais la population congolaise doit vaquer à ses besoins. Ce n'est pas sa mort qui doit nous accrocher et nous attarder à ne plus faire ce qu'on devait faire. Bon, Bazaki n'a pas d'accord n'a bango d'après ce qu'on suppute par-ci par-là, tikaka lettre que moi n'en ai face de la Premier ministre où c'est son parti qui doit présenter un Premier ministre et Kabila ou le soi-disant Kabila doit approuver ça. Ça montre combien ils sont tous complices. Comment Bango Bayebi très bien que Kabila Manana est ici là depuis Kala. Comment est-ce qu'on peut encore lui amener un ministre? Il a approuvé Ango alors que Mandana est ici là. Et son père, avant de mourir, lui-même avait déclaré ceci. Peuple congolais, à partir d'aujourd'hui, Kabila n'est plus président depuis le 19 décembre. Il ne peut plus engager le Congo et la population congolaise ni à l'intérieur ni à l'extérieur. Bon, chercher à lui présenter un ministre ou un candidat de n'importe quel ministère, ça signifie que il y a une complicité au multilatéral. Donc, ma coopération, nous trouvons que tout ce qu'ils font, c'est pour distraire la population congolaise. Au lieu que les Congolais vaquent à leurs besoins,
Bakumi ka komona non zota ke tsekedi. Non, il faut qu'on enterre. Il faut qu'on enterre na honneur. Il faut c'est quoi? Ils veulent quoi finalement na zota na ye? Bon, soki balingi baliaye. Soki balingi basa la magie na ye. Basa parce que je sais que soki mokonzi akufi dans le passé, bazouaka bongo ya batuminene ya bakonzi bake ko li yango, je ne sais pas faire quoi avec ça. Parce que nous avons vu dans les documents sur la mort de Lumumba, un Belge qui s'est tapé la poitrine en montrant la dent de Lumumba, que non, Lumumba kufa ça fait une quarantaine d'années, mais ngana garda ka lino ya Lumumba. Bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va faire avec la dent de Lumumba. Il l'a mis au musée, il veut manger la dent de Lumumba, et ça n'a qui si pour naïe. Ou bien, copé, ça y est, intelligent, je ne sais pas, peut-être. Ils veulent aussi manger le cerveau de Tshisekedi ou le corps de Tshisekedi. Parce qu'on doit nous dire pourquoi on garde son corps, comme si au Congo, nous manquons un espace où on peut enterrer notre compatriote. Le Congo est si grand où il peut engloutir le cadavre à Bissounioso. Pourquoi on les garde à Bruxelles? Mais ce qu'il est, apparemment, il y a maintenant les informations que nous avons reçues, il y a des tiraillements entre le gouvernement en place et puis l'UDPS, le parti que M. Tshisekedi a tiki. D'abord, quand il y a un problème, on a tout le bel en honte, mais ceux qui supposons qu'il y ait, Kore Kundama, na UDPS, na base, na niveau à 10e urine à limiter Kuna. Le gouvernement peut l'obiter comme Azam Moutumoko ironique, n'est-ce pas? Il fallait quand même bakoundé en honneur ba exposé corps na un niveau à stade martyr na niveau à yangalier makuna ba place moro peut-être ndé bakunda qui Laurent Désiré Kabila. Alors cette mésentente là yango ça là que peut-être est delay to retardé arrivé à corps à Tshisekedi comme vous avez dit, est-ce que kokunda na limité yango sali que sali pesi lokumu na corps à Tshisekedi ou comment na ibisa kio pe bino na interview le kaki que na rassemblement na senko na gouvernement bangwana et kopanzana, je vous avais dit ça, na IDPS tout et kopanzana, il n'y a pas d'avenir dans cette histoire là-bas parce que ce sont des malhonnêtes tous, ce sont des voleurs tous. Ba balingi ba profiter na liwa ya ndeko na biso Tshisekedi pour ba yiba mbongo cherchant à l'enterrer et dans sa maison et c'est pas dans un précaré des héros ou au cimetière de la Gombe bateau bakuna la cimetière de la Gombe bah c'est quoi t'es on y est bakuna là bah c'est quoi t'es bon ils sont libres vous savez de l'enterrer n'importe où hein. Si vous avez une maison que c'est pour vous, mais on peut vous enterrer dans votre maison parce que vous avez ce droit là d'être enterré là-bas, parce que quand vous avez une maison, vous détenez les livrets parcellaires. Vous avez le droit d'exploitation des minéraux. Si vous bah, découvrez que les minéraux sont dans la maison, vous avez le droit de l'agriculture dans la maison, c'est votre maison. Tout comme vous avez le droit de créer un mausolée dans la maison, il n'y a pas de problème. Et pour ça, donc, on peut enterrer Tshisekedi dans sa maison, tout comme on peut l'enterrer n'importe où, mais qu'on n'en fasse pas un fonds de commerce. Parce que je sais que les Congolais sont spécialistes dans le Kwana. À tout moment, quand mon opportunité mouke, on va justifier, non? On a sorti, on a sorti tant de millions pour juste trouver, juste acheter les terrains et pour payer l'argent aux croque-morts qui vont trouver là-bas, qui vont mettre trouver le tombeau. On a fait beaucoup d'argent, par exemple, pour Nakobenga, bah, inviter Baya Transport, Masanga. Mais entre-temps, ceux qui tirent les ficelles sont derrière, ceux qui volent, ceux qui surchargent le gouvernement sont là. Donc, moi, je trouve que la raison, c'est chercher à faire de l'argent. N'accord, il y a Moï, il y a Ndekonabiso Tshisekedi, c'est tout ce qu'ils veulent faire. Il n'y a rien de spécial. Bon. Insister que le gouvernement obligeait le gouvernement que non, va enterrer avec honneur. Moi, je trouve que ça, c'est de la guerre. Bon. Le gouvernement n'est pas obligé de l'enterrer avec honneur. Okay. Vous voyez ça? Tout comme si. Ba Congolais, nous sommes tous les gens, il faut battre la racine. Nini. Ah, ce que vous avez dit, Congolais, il y a solo et il y a autant de la bobelle Congo dialogue.
Congo dialogue. Eh, tembete. Osaxir. Congolais a solo o koki ko zanga mokolo mokote esengele otala bobele Congo dialogue. Oyeba makambo mazali ko leka kuna. Donc www.congodialogue.com. Soko za Congolais a solo. Yango wana. Papa kunzeta lobi yango. Foko talaka. Tina Congo dialogue. Tina yango ngai pena yeba ka makambo makole ka kuna. Na bosa na te. Otala rapeka ka Congo dialogue. Tembete. Yeah, so ata nazali congolais so ata ba mendele ki va ko kikotala congodialogue.com.